Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première demi-finale de l'Euro 2016 entre le Portugal et le Pays de Galles. Et oui, nous sommes très tristes, hein, puisque le Pays de Galles nous a battus. Hein. Le Pays de Galles a éliminé la Belgique dans le vrai Euro, donc je ne peux plus jouer avec les Diables Rouges. Et donc c'est très triste, et on félicite donc les Diables Rouges pour ce très bel Euro, les amis. Allez, on va se retrouver tout de suite après l'hymne national du Portugal. Et voilà, c'était l'hymne national du Portugal et donc je vous le disais hein, les amis, le Pays de Galles qui a éliminé nos Diables Rouges dans le vrai Euro, donc je ne peux malheureusement plus jouer avec les Diables Rouges. Je suis évidemment très triste comme tout le peuple belge, hein, mais voilà, c'est ainsi, le tournoi continue. Et donc on félicite tous nos Diables Rouges qui auront fait quand même un beau tournoi. Même si ça a été une grosse déception d'être éliminé par le Pays de Galles, mais ça reste une belle équipe avec un cœur énorme. Et donc on va pouvoir assister à cette première demi-finale entre le Portugal et le Pays de Galles. C'est les Portugais qui donnent le coup d'envoi. C'est parti. Allez, Alves. Nani. João Moutinho qui redonne à Nani. Interception de Davis qui revient derrière pour Günther. Allen. Richard. Richard qui donne pour qui? Pour Ledley. Ledley, que fait-il? Il revient. Ledley qui va chercher Allen. Allen pour Davis. Ramsey. Ramsey encore. Ramsey, il avance et il perd la balle. Elise, interception du Pays de Galles. Non, voilà. Cantrao qui repart. Dani. Attention à Dani qui va chercher Cristiano Ronaldo. La sortie de NSI. Belle sortie du gardien gallois. Une relance à la main, mais elle est pas bonne sa relance. Nani, attention Portugal. Et Nani qui est battu dans son duel par Davis. Ramsey. Ramsey encore. Première touche de balle de Gareth Bale, la star de l'équipe. Qui va chercher Ledley de l'autre côté, c'est bien joué. Allez, Ledley. Pour Gareth Bale encore. Gareth Bale qui redonne à Davis. Ramsey. Ramsey, il a de l'espace, non, il donne. Interception ici de Gareth Bale. Gareth Bale du pied droit qui va chercher Ramsey. Allez, les Gallois qui poussent dans ce début de match. Allez, le ballon est sorti, il a été touché par un joueur portugais. C'est une rentrée de touche pour le Pays de Galles. Allen pour la donner, pour Günther. William. William, mauvaise passe. Attention au compte portugais. Dani. Dani, qu'est-ce qu'il va faire Dani? Il donne à Cristiano Ronaldo, mais interception de la défense galloise. Taylor. Et donc ce duel, les amis, c'est un duel entre les deux stars du Real Madrid. Cristiano Ronaldo pour le Portugal et Gareth Bale pour le Pays de Galles. Les deux joueurs s'apprécient. Allez, Allen. Allen qui tente d'ouvrir, mais c'est contré. Cantrao pour le Portugal. Allez, Cantrao, on ne l'attaque pas, il avance. Cantrao, il va chercher Dani. La frappe de Dani du pied droit et c'est goal. Le Portugal ouvre le score, 1-0. Un très beau but de Dani. Hein. Très beau but de Dani, 1-0 pour le Portugal. Le Portugal qui ouvre donc la marque dans cette première demi-finale. Et regardez, un Cantrao, on lui laisse trop d'espace. Et il donne extérieur pied gauche pour Dani. Superbe ouverture et frappe du droit. Superbe. Un par un pour NSI. Mais regardez, un Fabio Cantrao du extérieur pied gauche. C'est magnifique l'ouverture. Et Dani, hein, il faut encore la placer. Il le fait. C'est magnifique. Hors de portée de NSI. Et ça fait donc 1-0 pour le Portugal. Le Portugal qui ouvre donc la marque après 20 minutes de jeu. Allez, les Gallois, ils ont du cœur. On sait qu'ils peuvent se remettre de ça.
Allez, NSI. NSI, oulala, c'est dangereux ça pour Davis. Davis pour Ramsey. Ramsey pour Robson Cano. Robson Cano, que fait-il? Bien joué pour Garrett Bell. Richard. Garrett Bell. Garrett Bell encore, il est loin, il frappe du gauche. Oh là là, quelle frappe de Garrett Bell. Quel pied gauche monstrueux et l'arrêt superbe hein, de Rui Patricio. Regardez Garrett Bell directement, il regarde la frappe du gauche, terrible. Et l'arrêt de Rui Patricio. Et ça va donner le premier coup de coin pour le Pays de Galles. Et attention, c'est des joueurs de grande taille. En plus, c'est donné par Garrett Bell, ils sont dangereux sur coup de coin. Allez, Garrett Bell qui le donne. C'est bien joué, Richard, Robson Cano. La volée d'haleine du gauche. La reprise. Oh là là, quelle action. Quelle action pour le Pays de Galles. Et le Portugal se dégage. Moutinho. Moutinho encore. Moutinho face à Ledley. Moutinho, que fait-il? Il gagne son duel face à Ledley. Il donne à Nani. Nani face à Ramsey. C'est passé. Thiago. Allez, interception du Pays de Galles. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux en contre. Allez, accélération d'Allen, le joueur de Liverpool. Allen encore, Allen toujours. Que fait Allen? Ah, il perd le ballon, il en voulant faire de trop là. Et le Portugal, Moutinho, interception de Ledley. Allen, on va chercher là, Davis, Ramsey. Ramsey pour Garrett Bell. Garrett Bell encore, Garrett Bell toujours. Garrett Bell, que fait-il? Il se remet sur son pied gauche, il donne à Robson Cano. Robson Cano. Attention, Robson Cano. Oh là là, il a failli passer dans le rectangle. C'est dégagé, mais tout de suite, Robson Cano, le tacle, le duel. Oh là là, quelle puissance, Robson Cano. Mais le Portugal repart à l'attaque avec Cristiano Ronaldo. Accélération de Ronaldo. Ronaldo qui accélère sur le flanc droit. Il donne à Nani. Nani, le crochet, il passe extérieur. Et c'est contré. Et les Gallois se dégagent. Quel beau match, quelle belle demi-finale. Il y a du rythme. Regardez Allen, encore le contre. Allen le contre, il donne à Garrett Bale. Oui, Garrett Bale, il est passé. Il est passé, Garrett Bale. Garrett Bale qui passe, que va-t-il faire? Frappe du gauche. Et c'est goal. Un but partout, Garrett Bale qui égalise pour les Gallois. Et il délivre le Pays de Galles, Garrett Bale. Superbe but. Un contre Gallois et boum, ça fait goal. Une équipe redoutable, hein, franchement, ces Gallois. Et Garrett Bale, hein, l'homme du tournoi. Il a marqué quasi à tous les matchs. Regardez ici, l'intercept, c'est bien joué. Hein. Là, il est parti, c'est terminé. Deux défenseurs reviennent sur lui, mais il va armer du pied gauche. Superbe but, c'est placé. Rien à faire pour Rui Patricio. Et donc, égalisation du Pays de Galles avec Garrett Bale. Et on revoit hein, sous un autre angle. Regardez, il regarde le petit regard. Il sait à ce moment-là où il va frapper. Et voilà, il décoche sa frappe du pied gauche. Imparable pour le portier portugais. Et donc, un but partout. Hein. Un très beau match, les amis. Hein. Il y a du rythme. Allez, ça repart pour le Portugal. Nani. 40e minute de jeu. Moutinho. Moutinho qui tente d'aller chercher. C'est bien joué. Dani. Le poteau. Oh là là. Et la frappe, c'est goal. Oh là là, la mauvaise relance du Pays de Galles. Terrible. Et Thiago qui en profite et qui fait 2-1 pour le Portugal. Ouh là 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 là. Et on revoit le ralenti. Regardez la frappe, contrôle du pied gauche, frappe pied gauche sur le poteau. Et là ils doivent dégager la mauvaise relance. Et Thiago n'a plus qu'à la placer dans le but. Incroyable. Et ça fait donc 2-1 pour le Portugal après 41 minutes de jeu. Ah, quel match. Quel match. Quelle première demi-finale. Allez, Richard. Richard pour Garrett Bell. Garrett Bell encore. Garrett Bell, il tente de passer le crochet. Et attention au contre-portugais. Attention aux Portugais qui peuvent tuer le match. Attention à Thiago encore. Et on revient derrière pour NSI qui dégage directement du pied droit. Allez, Allen. Allen encore. Allen qui tente de donner, mais c'est mal joué ça.
Et attention à Ronaldo, le tac, il n'y a pas de faute, on joue. Et l'arbitre siffle la fin de la première période et donc 2-1 pour le Portugal. Une très très belle première période pour cette première demi-finale de l'Euro 2016. On va voir ensemble le tableau avec le résumé de cette première période, le voici. Et donc 39% de possession seulement pour le Portugal contre 61% au Pays de Galles. Et pourtant le Portugal a tiré plus, regardez, 4 tirs pour 2 cadrés et 3 tirs pour 2 cadrés pour le Pays de Galles. Et donc voilà les amis, une première très belle première période. Le Portugal mène 2-1 et on va se retrouver tout de suite pour la deuxième période de cette première demi-finale de l'Euro 2016. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Le Pays de Galles a le ballon. Günther, Ramsey sur le flanc droit. Ramsey, que fait-il? Il tente d'ouvrir pour Davis. Ah, Davis qui pousse le ballon trop loin. Rentrée de touche pour le Portugal. João Moutinho qui va chercher Nani. Nani qui perd le duel. Eh oui, ils sont robustes et gallois. Et Günther, il avance. Günther qui avance, il donne ça, interception du Portugal. Et interception maintenant du Pays de Galles. Allez, Robson Kanou. Robson Kanou qui va au pressing. Gareth Bale à son tour qui presse. Et le Portugal s'en sort bien. On donne à Cristiano Ronaldo. Eliseu qui redonne à Cristiano Ronaldo. Ronaldo se retourne. Il va chercher Dani. Oh là là, faut se dégager. Et attention, encore le danger dans la défense galloise. Pendant ce temps-là, Robson Kanou, regardez, il a de l'espace. Il donne à qui? À Gareth Bale. Gareth Bale, la puissance de Gareth Bale. Gareth Bale qui va chercher qui? Davis, le centre-pied gauche, la tête. Oh là là, la tête de Richard qui est trop court. Oh sinon, c'était l'égalisation. Mais le Pays de Galles presse. Regardez, la rentrée de touche tout de suite par le Pays de Galles. Et non, on ne suit pas, il n'y a personne qui va là. Ah, il s'est précipité là, Richard, le capitaine. Et Rui Patricio va pouvoir dégager le Portugal. Alves. Alves. Le Portugal a le ballon. Dani. Dani encore. Nani. Eliseu. Nani. Moutinho. Moutinho pour Contrao. Contrao qui redonne à Moutinho. Attention à Moutinho, il se retourne. Attention à Moutinho, il centre la reprise et l'arrêt de Nsai. Et Nsai, belle relance de la main directement pour Ledley. Ledley, il accélère Ledley, regardez, il accélère et le ballon ne sort pas. Ledley encore, Ledley toujours pour Allen. Gareth Bale maintenant, Gareth Bale il perd la balle, mais quel exploit de Ledley, mais on récupère. Gareth Bale du pied gauche. Oh l'arrêt. L'arrêt de Rui Patricio. Quelle frappe du pied gauche de Gareth Bale. Il est impressionnant. Ce Gareth Bale. Regardez. Dès qu'il a le ballon. Une petite fenêtre de tir. Incroyable. Regardez. On revoit. Il a le ballon directement. Le petit contrôle. La frappe du gauche. Très puissante. Et l'arrêt. Et ça va donner un coup de coin pour le Pays de Galles. Qui est donné par Gareth Bale. Ils sont très dangereux. Il y a de la taille. La reprise de la tête. Et l'arrêt. Oh là 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 là. Quelle reprise de la tête. Allez, le Pays de Galles. Qui est toujours en train de presser. Voilà le... Oh, Allen, bien joué. Le centre d'Allen. La reprise de la tête. Il n'y a personne. Davis. Le contrôle. La frappe du gauche. Non, c'est contré par le Portugal. Le Portugal repart en compte. Nani. Nani encore. Nani, il a de l'espace et il perd son duel. Allen. Allen pour Davis. Et attention, c'est récupéré. Robson Kanou. Robson Kanou, il se met sur son pied droit. Il va frapper Robson Kanou. Et l'arrêt de Rui Patricio. Ah, quel match. Quel beau match. 70e minute de jeu. Toujours 2-1 pour le Portugal. Le Portugal, pour le moment, qualifié pour la finale. Ramsey, attention, il est contré. Ça repart. Dani. Allez, Contrao récupère le ballon. Carvalho. Vierina. Contrao. Cristiano Ronaldo. Attention à Cristiano Ronaldo, il perd le ballon. Mais c'est récupéré par Moutinho. Moutinho encore. Moutinho toujours. Que fait-il? Il donne à Dani.
Dani, attention, Dani va frapper. Il a failli tuer le match. La tête. Oh là 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 là. Quelle action là du Portugal. Et on va revoir ça calmement, les amis. Regardez la frappe de Dani, hein, dès qu'il se retourne. Le super barré de NSI. Et la reprise de la tête ici de Moutinho. Et ça passe à côté. Waouh, quelle action. Allez, NSI va pouvoir dégager le Pays de Galles. Il reste un gros quart d'heure pour le Pays de Galles s'ils veulent réagir. Regardez, Robson Kanu qui va chercher Ledley sur le flanc gauche. C'est bien joué. Ledley qui va centrer directement. La reprise. La tête ici, la reprise. Robson Kanu. Oh là 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 là. Les Gallois qui sont de plus en plus menaçants. Davis. Allez, l'accélération de Davis. L'accélération de Davis. L'accélération de Davis. Il donne bien ici pour Ramsey. Le centre de Ramsey. La reprise. La reprise de volée. Oh là là. Davis qui reprend de volée. Ça passe au-dessus. Et oui, il est dégoûté. On le voit. Ah, quel dommage pour les Gallois. Allez, il reste un gros 10 minutes. Hein. Pour les Gallois, s'ils veulent réagir et égaliser. Pendant ce temps-là, le Portugal accélère. Allez, on donne à Nani. Nani, il perd le ballon, mais il a le contre. Rentrée de touche portugaise. Elise à la rentrée pour Nani. Nani qui va se retourner. Et non, c'est contré. Contrao. Et c'est trop fort. Allez, dégagement de NSI directement. Faut pas perdre de temps. Voilà, il le fait. Et il va chercher la tête de Robson Kanu. Allez, William. William, il a de l'espace. William, il a de l'espace. Et il y va. Oh, dommage, il perd le ballon. Le Portugal maintenant. Le Pays de Galles continue. Gareth Bale. Gareth Bale et son pied gauche. Non, il ne passe pas. Contrao. Allez, Allen qui récupère. Allen pour qui? Pour Gareth Bale. Gareth Bale pour Ledley. Ledley, que va-t-il faire? Il redonne à Gareth Bale. Gareth Bale pour Davis. Davis qui donne bien Robson Kanu. On va ouvrir ici pour Ledley. Mais le Portugal va se dégager. Et oui, ça va être un coup de pied de but. Allez, le Pays de Galles, Davis. Davis qui donne pour Robson Kanu. Robson Kanu de l'autre côté, il a vu Gareth Bale. Et Gareth Bale n'a pas le ballon. Attention, c'est récupéré par Robson Kanu. Robson Kanu pour qui? Pour Gareth Bale. Gareth Bale qui va se mettre sur son pied gauche. Il va frapper. Et l'arrêt de Rui Patricio. Ah, je pense que c'était la dernière occasion. La dernière possibilité pour le Pays de Galles d'égaliser. Ah, dommage, hein. Gareth Bale, regardez la belle frappe du pied gauche. Waouh, super arrêt de Rui Patricio. Allez, le coup de coin pour Gareth Bale, on ne sait jamais. La dernière possibilité, la reprise de la tête. Allen de la tête. Ouh, il n'y a pas faux, j'ai cru qu'il avait donné le coup franc. On est dans les arrêts de jeu, il va siffler l'arbitre. Et voilà, c'est terminé. Le Portugal s'impose et se qualifie pour la finale. Pour le moment, la finale de mon Euro 2016, puisque vous le savez, hein, je joue les vrais matchs que le vrai Euro. Donc voilà, je ne sais plus ce que je dis, les amis, pardon, je suis étonné de cette première demi-finale. Et donc je vous disais que je rejouerai la finale avec les mêmes équipes que le vrai Euro, hein, puisque je fais les vrais matchs. Les mêmes matchs que le vrai Euro, voilà, c'est fait, c'est dit. Et donc on voit le tableau de cette première demi-finale avec le résumé. Donc 2-1 pour le Portugal, 44% de possession contre 56% au Pays de Galles. 7 tirs, donc 4 cadrés pour le Pays de Galles. 8 tirs, 5 cadrés, non 7 tirs, 4 cadrés pour le Portugal, pardon. 8 tirs, dont 5 cadrés pour le Pays de Galles. Et donc une première demi-finale très très belle, hein. Il y a eu du rythme, il y a eu des belles actions. Et donc voilà, le Portugal s'impose et se qualifie pour la finale pour le moment. Donc je vous le disais, hein, je jouerai avec l'équipe qui se qualifiera pour la finale dans le vrai Euro. Hein.
Donc voilà. Et donc voilà les amis, on va se quitter ici. C'était donc la première demi-finale de cet Euro 2016 entre le Portugal et le Pays de Galles. On se retrouve bien évidemment demain pour le choc, hein, la deuxième demi-finale entre l'Allemagne et la France. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Salut à tous les amis, à demain.